tous les abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, c'est Assassin's Creed Odyssey. Abonnez-vous, mettez un like. Activez la cloche de notification, on va commencer maintenant. Aujourd'hui, on va faire plein de choses. Je vais commencer par tuer un mercenaire qui m'a l'air inquiétant. Oula, regardez, hop. Si vous avez l'aptitude de l'assassinat critique, je vous conseille de le faire dans le dos. Parce que sinon, bah, ce sera plus dur pour le tuer. Hop, maintenant je pars. Mon cheval. Et là, on va tout de suite aller faire une guerre. Donc ça va être... Je vais être avec les Spartiates. Il y a un autre mercenaire. Je ne sais pas si je vais le tuer. Je regarde. Pour regarder les niveaux combien, vous allez sur la carte, vous regardez le mercenaire. Et là, il est niveau 41. Et moi... Je suis niveau, là tout en haut c'est écrit 31. Donc il me faut 10 niveaux supplémentaires pour le tuer. Donc je vais lui dire au revoir et je vais partir très loin. Alors heureusement il est en blanc là. Avant vous voyez son genre de casque de mercenaire, il était en blanc. Donc ça veut dire qu'il me veut rien. Mais on peut quand même l'attaquer. Oh, attention, j'arrive. Messieurs les Spartiates, je vous aide. Ah, voilà, c'est bon. Allez, on le tue. Oh, 2 contre 1. J'ai 2 contre 1 parce que moi je ne me bats pas avec lui. Allez, tuez-le. Oh, c'est bon, je vous aide. Voilà. Oh, ils repartent dans les champs, là. Si ça se trouve, ils vont aller attaquer le château. Ce qui n'est impossible de faire que à deux. À part s'ils sont discrets. Donc, la guerre. Et là-bas, j'ai déjà fait beaucoup de hors-caméra. Parce que, quand j'avais le jeu, j'étais pas encore youtubeur. Donc là, il y a le chef. On va lui parler. Alors, attendez, je monte un tout petit peu le son. Voilà. Je vais accepter. Oui, c'est bon, je sais. Et ça va nous amener directement à la guerre. Je vous conseille, si vous faites une guerre spartiate contre Athéniens, pour tuer les Athéniens avec une sorte de mini couronne sur la tête. Ça va apparaître dans la palette. Regardez, hop. Stop. Oh, regardez là-bas. Faut attaquer ceux-là. C'est ceux-là qui enlèvent le plus de points de vie aux Athéniens. Et voilà, vous avez vu, ça a baissé. Donc là, ça a encore baissé. Moi, je cherche beaucoup des boss. Ah. Et on va aussi faire des missions principales. C'est pas bien d'attaquer par derrière. Ok, mais attends, mais c'est qui lui? Ça a l'air d'être un boss. Hein. Et ben, on va se le faire. Ah, lui, c'est un mercenaire. Ah, d'accord. Coup de pied. Et lui, il a rien à faire là. Oh là là, ça commence mal. Voilà. Voilà. Donc c'était bien un mercenaire, parce que c'est écrit mercenaire vaincu. Par contre, ça m'a rapporté plus d'œil. J'ai recommencé le jeu il y a pas très longtemps. Donc quand j'ai recommencé à reprendre le jeu, je ne savais plus aucune touche. Oh, tose. Brah. Mais attends, mais j'ai fait un coup de pied. Mais non, tose. Voilà. Et normalement, là, dans pas très longtemps, ils vont fuir. Là, normalement, ils sont censés se barrer. Voilà. Regarde, ils partent. Ils détalent comme des lapins. C'est pas possible. Et si vous faites des guerres, ça vous rapporte beaucoup. J'ai reçu 2006 drachmes. La monnaie dans le temps grec, ça s'appelle des drachmes. Maintenant, ça appartient aux Spartiates. Oh là 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 là. What? J'ai pulvérisé l'attaque discrète là avec la lance critique. Il est mort sur les combattants normaux. Oui, mais sur les mercenaires, je ne sais pas que c'était possible. Alors, je disais, on va faire une mission. On va dans les quêtes... Bon, après, je peux améliorer la lance, mais il faut des fragments d'artefacts. On les récupère en tuant des membres du culte du foyer. Ouais, allez, je vais aller faire ça. Même si c'est peut-être un petit peu loin. Ah oui. Oui, c'est loin. Mais heureusement, je peux me téléporter à mon bateau. C'est bon. Sur mon bateau. Voilà. Alors, sur le bateau, nous allons faire une petite guerre pour nous faire plaisir. Nous allons aborder un navire. Celui qui est juste devant toi. C'est pas magnifique ce jeu. Alors attention. J'arrive. Et voilà. On va leur foncer dedans avec les prompts. Oh non, ils étaient dans une position pour que je leur fonce dedans là. Attention.
Pour vous protéger, il faut faire L1, si vous ne savez pas. Seulement sur un bateau. Hein. Et voilà. On va aborder. Attention! Watch out! Oh! Voilà, c'est la technique. Il faut donner des coups de pied pour qu'ils aillent dans l'eau. Oulala. Toi, spra! Ça, c'est fait. Bon, j'ai récupéré le coffre. Maintenant, on peut y aller. Le problème, c'est que quelquefois, même très souvent, ça fait couler un navire. Donc voilà, en voie de navire dans le fond, c'est écrit. J'appelle ça des indices de recherche comme dans GTA. Parce que là, c'est pas des étoiles, c'est des têtes de mercenaires. Ah oui, ça. On va faire une dernière. Héraclès a mené 12 travaux. Deux, c'était pas grand chose. C'est ta première parole de spartiate de la journée. On va commencer par une mission. Oh là là, il y a 31 déjà, nouvelle quête, plusieurs quêtes acceptées. Ok. Alors. Voici mon bateau. Alors, je vais vous montrer les statistiques de mon bateau. On va commencer par détruire ce bateau là devant moi. Attention, 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 attention! Un coup d'éperon et puis c'est bon. BAM! Alors pour vous protéger, quand vous êtes dans votre bateau, il faut faire L1. Attention, coup d'éperon. Non, pas besoin d'esquiver. On va faire un petit abordage. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez donner des coups de pied et vous pouvez les mettre directement dans l'eau. On récupère les coffres, celui-là et celui là-bas. Et le problème, c'est que j'ai envoyé un navire dans le fond. C'était écrit là, il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai comme des avis de recherche. Un peu comme dans GTA. Sauf que cette fois, c'est pas des étoiles. C'est des têtes de mercenaires. Donc, je vais vous montrer les statistiques de mon bateau à la fin. Hop là! Moi, j'attaque et je repars. Explosé! Ça, c'est peut-être un navire marchand, mais j'aime bien attaquer tous les navires. Ouais, je sais que c'est un navire marchand dans la base. Et les mercenaires qui vous attaquent, ils peuvent aussi être dans des bateaux. Donc ça, c'est très embêtant. C'est ça le problème. Alors là, il y a plein de bateaux pirates. C'est en général, les bateaux pirates, c'est les plus forts. Donc je vais peut-être pas rester là. Moi, j'aime bien juste les embêter un petit peu. Je préfère ne pas prendre de risques. Alors, il y a plein de navires spartiates que je ne vais pas attaquer. Parce que quand vous attaquez un navire spartiate et qu'il y en a 10 000 à côté, normalement, ils vous prennent en sandwich. Il faut en attaquer zéro. Vous ne me touchez pas, non les bandes de coquins. Non mais ils sont sérieux. Ils vont pas me faire grand chose tant qu'ils sont derrière moi. Oh, il y a des Athéniens. Oh, un navire marchand. Attention, kamikaze! Spoof! Et je sais que c'est un navire de commerce, mais bon. Sur votre gauche, vous avez une montagne. Et sur votre droite, une plage avec un énorme rocher. On va s'arrêter là. On va arrêter le bateau là. Et voilà, c'est pas par, c'est Kiki. Il y a une grotte. Génial. Qu'est-ce que c'est? C'est un temple? Oh super, il y a de l'argent. L'argent. Bon du coup, il n'y a pas de loup. C'est dommage. Je vais devoir grimper sans toi. Attends. Ah, attention! Sauter du cheval! Oh, j'allais faire une action stylée. Oh, un forgeron pas très loin. Je vais vendre pas mal de trucs. Et voilà. Je vais voir si je peux acheter des choses intéressantes. Oh, parfait. Je peux pas améliorer mon armure. Voilà, parce que je dois assassiner 4 champions. Je vais aller avec mon petit cheval. Ah bah, il est juste là. Ce n'est pas un problème. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il se barre? Mais reste là, on va jouer.
Pendant ce temps, je vais prendre leur petit trésor. Lieu exploré, ben je sais. Par contre, il y a quelque chose qui pourrait m'être intéressant. Mais où sont les champignons? Oh, attendez, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire avec une tête de mort. Peut-être pas trop accroché de lui. Troupeau! Oh, j'ai voulu foncer. Ça n'a pas fonctionné. Coucou! Bon, on va faire une autre mission là parce que. Hein. Alors, cette mission. Trouver, assassiner. Ouais, nous allons faire ça. Hein. En plus, ça fait gagner beaucoup. Donc, alors, la mission. Elle est par là. Direction la mission. Allez hop. C'est fait. Oh, le géant tout. Ah non, mais ça, c'est une vache, ça. Et en plus, j'ai récupéré toutes mes flèches. C'était génial. Tu dois rester caché. Pas de problème. Je suis un professionnel. Et ben, il y a beaucoup d'action. Ça, c'est cool. Les senteurs du printemps sont dans l'air. Ça me rappelle Spark. Oh, c'est quoi ça? C'est pas un coffre? Ah non, c'est pas un coffre. Pas du tout, même. Oh non, j'en ai marre, moi, d'attaquer des loups. La cible est à moins de 500 mètres. Oh, un cerf! Toi, tu viens par là. Hé, viens par là. Bon, tant pis. What? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que... Pourquoi on m'a... Non, non, je ne veux pas t'attaquer. Mais non, sérieux. Oh! Non, mais... Mais... Et puis, tu n'es pas possible, toi, là. Votre respect. Oh, il y a un autre mercenaire, peut-être, qui va m'aider. Parce que son casque est blanc. Au-dessus de sa petite tête. Ah, esquive. Mais sérieux, mais toi aussi tu fais des bonnes esquives là. Stache. Voilà. T'apprendras. Prends-toi ça. Voilà. Les DCID. Ce qui est cool dans Assassin's Creed Odyssey, c'est que les mercenaires vous donnent beaucoup de choses. Hop, ça c'est la vraie mission. Ça c'est la vraie personne que je vais éliminer. C'était pas comme avant ça. En plus, ça, elle a de la vie. Elle a beaucoup trop de vie. Je te donnerai mon coup de pied. Splat. Tac. Et tac. Ah, c'est un adepte. Mais attends, je ne savais pas du tout. Adepte vaincu. Oh, attends, il y a une mission. Mais toi, mais. Vous allez vous calmer, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, Zeus. Sans toi, je crois que tu aurais laissé ma vie. Heureusement que j'étais là. Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Epi. Enfin, Epi Zelos. Mais mes amis m'appellent Epi. Même si, en vérité, je n'ai pas vraiment d'amis. Moi, c'est Alexios. Enchanté. Ma foi, tu as l'air de quelqu'un qui parcourt le monde. Tu as l'air de quelqu'un qui passe toute sa vie à lire. J'ai l'air misérable, je sais. Mais quand la découverte frappe la porte, il faut bien lui répondre. Le destin t'a placé sur ton chemin et nous allons faire route ensemble. Un bon guerrier n'a pas besoin de l'aide des dieux, ni de qui ce soit. Explorer la grotte. Nos problèmes. Alors, y a-t-il un petit trésor dans le coin? Eh ben... Ils en ont un, des objets. Si je vends tout ça, je pourrais avoir beaucoup d'argent. Wow. J'ai l'impression qu'on pourrait placer le patron de Stella. Qu'est-ce que c'est que ça? Stylé.
Oui, bien sûr que si, tant mieux. Quelque chose bloque. Ok, tant pis. Je peux pas passer par là, peut-être par un autre chemin. Oh, un coffre! Super. Hop, et là. Oh, encore un coffre. Ah, voilà qui est mieux. Voyons ce qu'il dit. Cette statue représente un guerrier. Oh, super, il y a de l'argent à récupérer. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il manque encore deux coffres. Oh, super. Il y a un coffre, justement. Faut que je trouve encore un trésor, quand même, là. Il y a quelqu'un qui pleure. Ah, c'est un enfant, je l'ai même pas vu. C'est perdu. J'en ai aucune idée, il a l'air de s'être perdu. Mais bon, je ne peux pas l'aider. Parce que c'est pas considéré comme une mission. Voilà, je m'aventure vraiment loin là. Pas de trésor. Oh! Allez, c'est parti pour un tour. Mon petit dernier, il m'en manque plus que un. Stack. Nous sommes au bon endroit. Malheureusement, mon ami, il a été pillé. Niveau 32! Wouhou! Niveau 32, la danse de la victoire. Là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Rien du tout. Là, rien du tout. Ici. Donc, tous ceux qui sont en rouge, c'est tous ceux que j'ai vaincus. Nous allons voir s'il y a une autre quête. Alors oui, je devais vous montrer les statistiques de mon bateau. J'ai des lieutenants, donc j'en ai des légendaires. J'ai une coque assez blindée, on va pas se mentir. La question c'est, est-ce que j'aurai assez? Alors, il n'y a pas un forgeron par hasard quelque part là? Quelque part... ici, il y a un forgeron ici. On va aller voir le forgeron vendre des trucs. Je vous avais dit que ça allait être prêt. Il est magnifique mon bateau. Go. On attend maintenant. Allez hop, dans l'eau. Je veux plus entendre parler de toi. Attends, mais il nage. Mais attends, mais il va venir me voir là. Paf! J'ai dit, je veux plus entendre parler de toi. Où est le forgeron? Ah oui, il est juste un petit peu loin en fait. Attention à vous. Je t'avais prévenu. Alors, le forgeron est tout là-bas. Go. Attention. Ah, je vais l'écraser, c'est dommage. Attention. Ah, je vous ai eu. Dites-moi l'indice étant à proximité. On m'a dit qu'il y avait un indice. Bonjour, monsieur. Moi, je vends tout. Ça, je peux l'améliorer. Je sais que c'est de la meilleure qualité. Il me faut vraiment énormément de cuir en fait. Merci. De rien. Bonjour. Vas-y, essaye de m'attaquer. Vas-y. Essaye. Voilà. Oh, skip. Je me bats contre une horde de... Non pas de zombies, mais d'habitants. Ouais, mais ils sont tous contre moi. Ok, je prends l'épée. Ching. Oh, bonjour.
Allez, au revoir. Restez discret. Oh, il est plus très loin. Le mercenaire n'est plus très loin. Je répète, le mercenaire n'est plus très loin. Allez, juste là. Bonjour. Bonjour, Lo. Ste. Non, j'ai dit Ste. Tac. Tu vas prendre un bain, ok? Hop. Un bon petit bain. Tu veux faire le grand plongeon? Il n'y a pas de problème. Donc là, il faut être hyper précis. Si tu veux faire le grand plongeon, il n'y a pas de problème. Plouf! J'espère que tu as aimé le grand plongeon. Hein. Tu vas prendre un bain avec les enfants. Allez! Tac! Dans les roubignoles. Tac! Je suis aussi champion de boxe, si vous voulez. Oh non! Oh, il est tombé! Tu sors du bain. Les autres, vous avez besoin de vous décrasser. Quand je dis on se décrasse, on se décrasse. C'est génial. Je suis professionnel, moi, au karaté. Les gars, j'ai rien fait. Si vous voulez, j'ai aussi fait des arts martiaux. Ch'tal. Eh ben, il y a beaucoup de pieds. Hein. C'est génial. Ok, je fais quoi là? Moi, je peux empoisonner tout le monde. Hein, non, ça ne marche pas. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Prochaine vidéo.